Il dit d'abord, le revêtu du manteau est unique. Le revêtu. Le revêtu du manteau, au fond du manteau, est unique. Unique comme unique. Le revêtu du manteau, c'est quoi? C'est le titre du soir de Provence. En l'occurrence, c'est la soirée de 74. Le cercle de 4. À la place 7, dans la place c'est G, à la place 4 c'est D. G c'est God. D c'est God. Donc tout ce qui s'appelle ça le God, c'est Dieu. C'est Dieu. God. 114. Il est quoi? Il est l'image de quoi? L'image de 47 dans le miroir. 47, comme je l'ai dit, le miroir est cette image. Comme vous écrivez 47 dans le Coran, quand c'est sur la toile, vous plantez ça au miroir, le miroir va vous allez lire dans le miroir 114. C'est comme ça. 114, c'est l'image de quand c'est dans le miroir. Et quand c'est dans le courant, vous allez voir Mahomet, le saut des prophètes. Donc 114, c'est quoi? C'est l'image de Mahomet dans le miroir. Et c'est lui qui est quoi? C'est lui qui est. C'est lui qui est Dieu qui viendra à la, qui viendra lui-même à la fin des temps. Qui viendra après le dernier des prophètes. Et pourquoi Mahomet est le dernier des prophètes? Je vais l'expliquer. Allez sur le bouquin de Sidi. J'ai tapé Mahomet. C'est comme ça. C'est Dieu. L'image du miroir. C'est un revêt de manteau. Il se revêt d'un manteau. Il prend quoi? Il prend la forme, le physique de celui qui est en face de lui. Il est unique, c'est Dieu, il est unique. L'image du miroir, le revêtu du manteau. C'est le bébé qui est son beau-père. C'est la montagne, Dieu, la montagne. C'est comme ça. Voilà. Donc il dit, le revêtu du manteau est unique. Il dit alors, Véronique, continue, il dit, alors, vous pouvez quoi? Vérifier. Vérifier et reprendre son numéro unique comme quoi téléphonique. Vérifier son numéro téléphonique. Il dit encore, Véronique, il dit, vérifier aussi quoi le numéro, et reprendre quoi le numéro, et sur sa carte d'identité nationale. Quoi, comme quoi carte d'identité, elle est comme quoi nationale. Si vous voulez encore, je peux continuer. Vérifiez aussi. Il est né le jour, je crois, le jour où on fait la cérémonie des couleurs. Quoi, comme couleur. La cérémonie des couleurs. Parce que le jour où on lisse le drapeau, c'est quoi? C'est le lundi. Et le drapeau, c'est pas une bêtise qu'on adore. C'est un symbole. C'est comme ça. Et bien sûr, je n'ai pas du pays, de ce pays, le Bénin. Le Bénin, c'est quoi? C'est l'horizon. Le lieu du ciel, là, ça pèse sur la terre. Et ce pays, c'est l'horizon à quoi? Un drapeau naturel. Ce drapeau là, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Le drapeau de l'horizon.
Et l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est un représentant de Dieu. C'est un CD.